poser. Et bien taper. Bien serré contre les murs. Bien taper. Bien, il faut que je sois bien stable. Fixer définitivement la bande. Bon, il vaut mieux contrôler avant que tout soit collé. Bon, là, elle va bien, c'était bien préparé. Ça allait bien. Là, dessus, il y aura cette pièce-là. Puis, ça qui sera comme ça. Il sera réglé en par rapport au carrelage qu'il y a dessus. Si vous avez plus d'épaisseur, vous, il y a cette pièce qui est fournie. Si vous avez de l'épaisseur à taper, vous pouvez mettre ça, ça va comme ça, on le coupe à dimension comme deux, et ça va comme ça dessus. Vous voyez, si on a plus d'épaisseur, c'est réglable. Voilà, la bande de forme a été collée, le Widi est en place. Widi Bacadouche, la bande de fond, on va la visser après par-dessus, on voit qu'elle est bien centrée. Maintenant je vais enlever le Widi Bacadouche, je vais mettre de la colle dessous pour bien le faire porter sur le plancher bois. Là, comme vous voyez, j'ai pris un Widi de 120-120, mais il n'est pas assez grand pour la douche. Bon, pour ne pas prendre un Widi sur mesure, on ne trouve pas plus grand. Mais j'ai pris des polysirènes, du dur. Il est jaune, bon, il peut être bleu, vert, rose, enfin, tout dépend des couleurs de votre marque. J'ai coupé un morceau d'acier qui va voilà. Je l'ai formé, j'ai pris du 5, je l'ai formé avec une râpe, je l'ai formé en pente et maintenant il est bien pente. Formé, je vais coller tout ça, étanchéter. Alors vous le voyez là-bas, il y a une bonne pente que l'eau aille bien vers le bon de fond. Là aussi c'est pareil, elle va bien là-bas. Une fois tout collé, je vous montrerai comment l'armer avec un fil de verre. De la colle, on va refaire le même système que le Widi, la colle de la trame fil de verre. J'ai mis bien tout le tour, j'ai fait des plots, des grosses noix, j'ai graissé le derrière de la plaque, je vais poser là, je vais poser là. Je l'ai posé, je l'ai bien tapé pour que porte bien plat. J'ai mis une couche de colle dessus, sur le polystyrène que j'ai rajouté. Polystyrène dur. J'ai mis une couche de colle avec un recouvrement sur le Widi de 20 cm. Pour maintenant poser la fibre de verre qui va être noyée dans la colle. Bien recouvrir sur le Widi de 20 cm pour la fissure. Voilà, je fais bien dans la colle.
après une couche creuse, une fois la cette couche sèche, on y remettra une couche colle, puis on pourra poser le carreau dessus, toutes sortes de carreaux.